un musée dédié à Johnny Hallyday. Cela ravirait les fans du chanteur, mais aussi Laetitia qui aime tout particulièrement l'idée. Ce projet incroyable pourrait voir le jour, mais seulement si celui-ci remplit toutes les conditions. Johnny Hallyday a marqué la France, il y a laissé son empreinte. Et Laetitia Hallyday veut continuer à faire vivre le chanteur qui a marqué plusieurs générations. Dimanche 1er décembre, à l'approche du deuxième anniversaire de sa mort, elle a organisé avec son nouveau conseiller artistique Michel Jankielewicz une véritable journée en mémoire du taulier. À l'Olympia, où le nom de Johnny Hallyday était inscrit en grosses lettres rouges, s'est tenue une journée spéciale, les fans ont pu assister à la projection d'un documentaire inédit. Un film que Laetitia Hallyday et ses deux filles, Jade et Joy, ont découvert en même temps que les fans présents à la séance de 20h. Je veux le découvrir en même temps que les fans, mes enfants et les amis. Je veux être ému avec eux, avait-elle déclaré dans les colonnes du JDD avant le lancement. Puis après la projection, les plus chanceux ont pu se rendre dans la salle de billard où de nombreux objets appartenant au chanteur décédé le 6 décembre 2017 étaient exposés. Puis dans sa loge, spécialement reconstituée pour l'occasion. Des pièces aux allures d'un musée. D'ailleurs, bâtir un musée en hommage à l'idole des jeunes, certains fans en rêvent. Un musée consacré à Johnny Hallyday, les conditions pour que le projet voie le jour. Laetitia Hallyday non plus, n'est pas contre cette idée. J'adorerais. J'ai le contenu. Et si Paris lui consacrait un jour un lieu pour que les fans puissent écouter sa musique, voir et toucher des choses? J'ai respecté le souhait de mon mari d'être enterré à Saint-Barth, mais c'est très loin, a-t-elle confié, toujours dans le JDD. Pour que cet énorme projet prenne forme, il faudra d'abord l'accord de la veuve de 44 ans, puis celui de Laura Smet et David Hallyday, les deux aînés du rocker. Si l'envie et le désir sont là de la part de la famille, nous accompagnerons ce projet avec grand plaisir, a fait savoir Christophe Girard, adjoint chargé de la culture, aux Parisiens. Il n'y a plus qu'à entamer les démarches.